C'est Manon Durand, je suis juriste santé chez Pharma Spécifique et on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire consacré aux 10 erreurs classiques des promoteurs et des CRO lors du remboursement des patients en France. Alors, d'abord, qui sommes-nous? Donc, Pharma Spécifique, donc on existe déjà depuis 10 ans, on est une CRO certifiée ISO 9001 et nous disposons également donc d'un service de remboursement frais patients. On a également le blog de la recherche clinique qui est un journal web d'information en recherche clinique sur lequel nous avons déjà 6 000 abonnés. Je vous invite à vous y rendre pour lire tous nos articles, etc. Et enfin, nous avons également une plateforme de formation coaching, conseils, événements en ligne, donc en recherche clinique, et aussi adapté à tout ce qui est relatif aux carrières et à la partie réglementaire. Donc moi je me présente, donc je suis Manon Durand, comme je vous disais en introduction, je suis juriste santé chez Pharma Spécifique, donc spécialiste en recherche clinique et en protection des données à caractère personnel, et je suis collaboratrice chez Pharma Spécifique depuis maintenant un an. Alors, donc notre webinaire, il va s'organiser sur 4 parties. Donc d'abord, on va voir dans la première partie tout ce qui est relatif au contexte donc du remboursement frais patients et aux définitions qui l'entourent. Ensuite, dans la deuxième partie, on se penchera sur les références textuelles du remboursement frais patients, donc voir par quoi il est encadré. Dans la troisième partie, donc on entrera dans le vif du sujet, on verra ensemble les 10 erreurs des promoteurs et des CRO dans le cadre du remboursement frais patients. Et enfin, on verra une petite conclusion de tout ce qu'on a vu sous forme de tableau. Donc, on commence tout de suite notre partie contexte et définition. Donc, d'abord, je remets dans le contexte. Donc, le remboursement des frais aux patients, c'est un processus qui intervient dans le cadre de la recherche impliquant la personne humaine, puisque au cours de ces recherches, les participants vont devoir exposer des frais qui vont être liés à leur participation à l'étude, notamment des frais de transport pour se rendre sur les lieux des différentes visites ou encore des frais d'hébergement. Or, il est prévu par la loi que le participant ne doit pas être financièrement lésé par sa participation à la recherche. Dès lors, tous les frais qu'il aura engagés devront être remboursés. Le remboursement des frais aux patients, c'est donc la procédure par laquelle une entreprise, donc ça va être le promoteur de l'étude ou son sous-traitant, donc comme par exemple une CRO, d'ailleurs ça va rarement être le promoteur directement en général, puisque on le verra plus tard, mais le promoteur ne doit pas avoir accès aux informations identifiantes du patient, donc souvent c'est une mission qui est déléguée à une CRO. Donc une entreprise, elle va procéder au remboursement des frais qui sont engagés sur la base de différentes preuves financières, souvent des factures, donc des frais que le patient a eu à payer pour sa participation. Et donc l'objectif, c'est que le patient ne ressente aucune conséquence financière qui serait liée à sa participation à l'étude. Donc par exemple, si dans le cadre d'une recherche, un patient vit à Bordeaux et doit se rendre à Paris pour une visite et qu'il doit loger à l'hôtel, il pourra lui être remboursé donc les frais de transport. Donc, en fonction du transport qu'il aura pris, l'avion, le train ou la voiture, donc soit les billets, soit l'essence. Ensuite, les frais d'hébergement, donc l'hôtel, et les frais alimentaires. Donc ça va être les repas qu'il aura pris au cours de son séjour pour la visite. Ensuite, donc après cette petite remise dans le contexte, on va passer directement aux références textuelles du remboursement frais patients. Alors d'abord, on a l'article 16-6 du Code civil qui prévoit qu'aucune rémunération ne peut être allouée à celui qui se prête à une expérimentation sur sa personne, au prélèvement d'éléments de son corps ou à la collecte de produits de celui-ci. Donc c'est un principe qui existe dans le but d'éviter les dérives qui conduiraient à chosifier le corps humain, c'est-à-dire en faire un moyen d'obtenir des revenus. Dans l'exemple du remboursement frais patients, ce serait un participant qui voudrait participer à plusieurs recherches, qui se débrouillerait pour le faire en tout cas, dans le seul but d'être rémunéré. Donc c'est absolument ça qu'on veut essayer, et ça c'est un principe qui existe depuis très longtemps. On veut éviter que un patient puisse se servir de son corps et de la médecine pour pouvoir dégager des revenus qui seraient importants.
En revanche, on a l'article L1121-11 du Code de la santé publique qui prévoit, lui, que la recherche impliquant la personne humaine ne donne lieu à aucune contrepartie financière directe ou indirecte pour les personnes qui s'y prêtent. Donc là, on rejoint le principe de l'article 16-6 du Code civil. Toutefois, l'article ajoute que, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes subies versées par le promoteur. Donc, on garde le principe de l'article 16-6 du Code civil, c'est-à-dire qu'il ne peut y avoir aucune rémunération, sauf la seule exception qui est faite dans le cadre de la recherche impliquant la personne humaine, c'est dans le cadre donc du remboursement des frais exposés par les patients, d'une part, et d'autre part, dans le cadre de l'indemnité en compensation des contraintes subies. Donc, on va voir ce dont il s'agit. Donc, le principe, c'est le suivant. Donc, le participant à une recherche clinique, une recherche, pardon, impliquant la personne humaine ne peut percevoir aucune contrepartie financière, sauf le remboursement des frais qu'il a exposés et une indemnité en cas de contrainte. L'indemnité et le remboursement, c'est deux modes de paiement différents. D'abord, on a le remboursement des frais qui désigne, lui, la prise en charge des frais supplémentaires qui sont liés à la recherche. Donc, c'est ce qu'on a vu dans la première petite partie. C'est tous les frais que le participant va engager dans le cadre de sa participation à la recherche, donc les frais de transport, les frais d'hébergement, les frais liés à l'alimentation, etc. Et de l'autre côté, on a l'indemnité qui, elle, va venir compenser toute contrainte qui pourrait être liée à la participation à la recherche. Donc, par exemple, des contraintes de temps, de pénibilité, etc. Il est à noter qu'un arrêté vient fixer à 4 500 € le montant maximal annuel qu'un participant à une recherche peut recevoir au titre de l'indemnité. Donc, pour la deuxième catégorie, donc l'indemnité, on a une limite de 4 500 €. En revanche, il n'y a pas de telle limite dans le cadre du remboursement des frais. Donc, a priori, il n'y a pas de plafond pour rembourser annuellement les frais d'un patient en fonction de ses participations à des études. Ensuite, on a le texte des bonnes pratiques cliniques, donc les BPC, qui évoque également le remboursement des frais aux patients, donc à la fois dans les BPC françaises, mais aussi dans les BPC de l'ICH. Donc d'abord, dans les BPC françaises, donc c'est le paragraphe 5.8.3, qui explique que le promoteur ne verse aucune contrepartie financière directe ou indirecte aux personnes qui se prêtent à l'essai, hormis le remboursement des frais exposés et, le cas échéant, l'indemnité en compensation des contraintes subies conformément aux dispositions de l'article L1121-11 du Code de la santé publique. Donc ici, dans les BPC, on a simplement une redite hein, de ce qui est dit déjà dans l'article du Code de la santé publique dont nous venons de parler. Donc pas de choses qui sont ajoutées. Et on a le même paragraphe dans les BPC de l'ICH, paragraphe 5.8.3, qui dispose que « When trial subjects receive compensation, the method and manner of compensation should comply with applicable regulatory requirements », ce qui veut dire que lorsque les participants à l'essai reçoivent une compensation, la méthode et le mode de compensation doivent être conformes aux exigences réglementaires applicables. Donc ici, on a simplement un renvoi en fait vers les lois nationales de chaque État membre. Donc nous, ça va revenir directement au paragraphe précédent, donc les BPC françaises, et plus précisément donc à l'article L1121-11 du Code de la santé publique. Enfin, on a les méthodologies de référence de la CNIL, qui, je le rappelle, sont des textes qui sont mis en place dans le cadre notamment des recherches en santé, qui vont permettre donc ces textes aux promoteurs d'être dispensés de demander une autorisation de leur traitement de données à la CNIL. Et donc, ces textes-là mentionnent également le remboursement des frais. D'abord, dans le paragraphe 2.2.3, dans lequel il est expliqué que les seules catégories de données à caractère personnel relatives aux personnes se prêtant à la recherche qui peuvent faire l'objet d'un traitement sont les suivantes. Donc, on a toute une catégorie de données et notamment le remboursement des frais engagés par la personne concernée liée à la recherche. Donc, le remboursement des frais est également mentionné dans la méthodologie de référence. Et ensuite, dans les mêmes textes, donc paragraphe 2.3.2 cette fois-ci,
Il est expliqué que les sous-traitants agissant pour le compte du responsable de traitement et n'ayant pas la qualité de lieu de recherche peuvent être destinataires des données administratives d'identification des personnes se prêtant à la recherche dans le strict respect des conditions cumulatives suivantes, et notamment donc l'accès aux données à caractère personnel a pour objet de permettre le remboursement des frais de transport des personnes et ou le versement d'indemnités. Et puis, l'article continue sur d'autres dispositions qui ne font pas partie du sujet d'aujourd'hui. Donc, on voit en fait que le remboursement des frais patients, on en parle un petit peu dans différents textes. Donc, le Code civil a, de manière un petit peu indirecte, le Code de la santé publique, les méthodologies de référence, les bonnes pratiques cliniques. On n'a pas un vrai encadrement comme on pourrait avoir sur d'autres sujets ou d'autres prestations en recherche clinique, hein. Les textes sont assez épars. Et on n'a pas beaucoup beaucoup d'informations. Mais voilà, ce qu'on a en tout cas à ce jour, c'est les quatre sources que vous voyez sur ce petit schéma, donc le Code civil, le Code de la santé publique, les méthodologies de référence et enfin les bonnes pratiques cliniques. Ensuite, donc on entre dans le vif du sujet, on va voir ensemble, donc à partir de tout ce qu'on vient de voir, quelles sont les 10 erreurs que font les promoteurs et les CRO dans la prestation de remboursement des frais. Alors d'abord, la première erreur, c'est de laisser une même personne s'occuper à la fois de l'étude clinique et du remboursement. En fait, lors de la prestation de remboursement, il ne doit pas être possible d'associer un patient avec la pathologie dont il est atteint. Or, une personne qui s'occuperait de l'étude clinique, elle pourrait avoir accès au protocole, donc par exemple aux critères d'inclusion. Si le critère d'inclusion dit voilà, les patients inclus sont atteints de telle pathologie. Donc on a forcément des informations de santé. Donc ces personnes-là pourraient identifier la pathologie dont est atteint le patient en déduisant du protocole recherches qui vont être effectuées sur une pathologie en particulier ou si ce n'est pas une pathologie, mais en tout cas sur des informations médicales. Il convient donc que les deux prestations soient bien distinctes et effectuées par des entités différentes. Donc, je vous renvoie ici au paragraphe 4.14.1 des bonnes pratiques cliniques, parce que précisément, le remboursement, dans le cadre de la prestation de remboursement, on va avoir des informations identifiantes sur le patient. Donc, voilà, le fait qu'une même personne fasse à la fois, enfin s'occupe à la fois des deux prestations, eh bien, ça va lui permettre de coupler des informations sur le patient. Or, c'est des données qui ne peuvent pas être données. La deuxième erreur, c'est de laisser un prestataire non habilité s'occuper de la prestation de remboursement. N'importe qui ne peut pas exercer la mission de remboursement des frais. Le prestataire qui est en charge de cette mission, il doit disposer des compétences nécessaires pour mener à bien cette activité. Donc, le promoteur, il doit être vigilant sur le prestataire avec qui il contracte pour ce service et s'assurer que celui-ci connaît l'ensemble des règles applicables à la réalisation du remboursement. On ne peut pas choisir n'importe quel prestataire. Le remboursement, c'est quand même, il intervient quand même, hein, on le sait, dans un cadre assez strict finalement. Hein, en recherche clinique, voilà, c'est un cadre assez strict, assez encadré. Et donc, il faut que le promoteur puisse s'assurer que son prestataire respecte bien la réglementation, qu'il est au courant des procédures, etc. La troisième erreur, c'est d'effectuer le remboursement en forfaitaire. Donc, la réglementation en vigueur, elle ne précise pas clairement le type de remboursement permis, que ce soit au réel ou forfaitaire. On a l'article L1121-1 du Code de la santé publique qui évoque des frais exposés, donc qui doivent être justifiés et donc, qui semble être privilégié par la loi, c'est le remboursement au réel avec fourniture des justificatifs. Par ailleurs, un remboursement forfaitaire qui serait supérieur au montant des frais réellement engagés par la personne pourrait être requalifié en indemnité compensatrice déguisée, ce qui est interdit. Donc il faut faire attention sur ce point-là. Ensuite, la quatrième erreur, c'est de ne pas récupérer les justificatifs liés aux frais. Ça rejoint un petit peu ce qu'on vient de voir pour la troisième erreur, mais tout remboursement de frais à un patient dans le cadre de sa participation à une recherche, il doit être justifié. Et pour ce faire, le recueil des justificatifs, donc comme par exemple les factures, hein, mentionnant le montant des frais ainsi que l'émetteur du justificatif et la date de dépense, est indispensable.
notamment pour pouvoir prouver aux promoteurs que les sommes remboursées sont bien liées à la recherche, puisque les factures, voilà, vont vous permettre de justifier les dépenses dont le remboursement vous est demandé, et ainsi entrer vraiment dans le cadre de la prestation, puisque vous aurez reçu l'ensemble des justificatifs adéquats. La cinquième erreur, c'est de conserver les données de manière illimitée. Alors, il y a une petite difficulté, c'est qu'aucun texte ne prévoit la durée de conservation des données qui sont liées au remboursement des frais aux patients. Toutefois, ça ne signifie pas que ces données peuvent être conservées de manière illimitée. Il convient donc de définir une durée de conservation raisonnable en interne pour respecter à la fois les finalités pour lesquelles les données sont conservées, donc ça peut être votre comptabilité, une réclamation, une action en justice, etc., et à la fois les règles sur la conservation, pardon, des données à caractère personnel. Donc en interne, il faut trouver un bon équilibre entre à la fois ne pas conserver les données de manière pendant un délai démesuré, et en même temps conserver les données de manière à ce que on puisse répondre à nos droits, à nos obligations et à tout ce qui est encadré par la loi. Donc voilà. Après, c'est une acceptation à faire en interne, une évaluation. Mais voilà, il faut pas les conserver de manière illimitée. Ensuite, la sixième erreur, ce serait de récupérer des données sur l'état de santé du patient. Donc, si le remboursement des frais permet au service d'avoir accès aux données identifiantes du patient, ça ne signifie pas qu'il peut avoir accès à l'ensemble de ces données. Donc, on a accès aux données identifiantes, certes, mais la personne en charge du remboursement des frais, elle doit s'interdire de recueillir toute donnée qui ne serait pas nécessaire à la prestation de remboursement, et en premier lieu, les données de santé qui sont des données sensibles et qui ne peuvent pas être à la portée de tous. Donc, le collaborateur qui va s'occuper du remboursement des frais doit vraiment faire attention au principe de minimisation des données, c'est-à-dire ne recueillir vraiment ce qui est nécessaire pour la prestation sans aller au-delà, sans outrepasser ce recueil, et surtout, particulièrement, s'interdire de recueillir les données de santé. La septième erreur, ce serait de transférer les données identifiantes du patient au promoteur. Pendant la recherche et à son issue, les données des patients transmises au promoteur ne doivent en aucun cas faire apparaître en clair les noms des personnes concernées, ni leur adresse, ni d'autres informations permettant une identification directe. Donc ça, c'est un principe qui est très connu en recherche clinique, hein, c'est le fait que le promoteur ne doit recevoir que des informations pseudonymisées concernant les patients. Or, les informations identifiantes, donc ce qu'on vient de voir, les noms, les prénoms, l'adresse, etc., c'est précisément celles qui sont utilisées dans le cadre de la prestation de remboursement. Donc, par une petite conclusion rapide, on comprend donc qu'aucune des données liées au remboursement frais patients ne peut être transmise au promoteur. La huitième erreur, c'est celle de ne pas avoir lu les textes applicables. Alors, l'ensemble des textes applicables à la recherche clinique, il doit être connu et maîtrisé par le personnel qui agit sur la prestation de remboursement. Et plus généralement d'ailleurs, hein, pour tous les professionnels de la recherche clinique. On en avait déjà parlé dans des précédents webinaires, mais c'est toujours important de toute manière de lire au moins une fois les textes qui nous concernent, même si c'est long et c'est pas toujours très pratique, mais c'est des textes qui doivent être connus. Là, en l'occurrence, il faut être au fait de la loi Jardé, des bonnes pratiques cliniques, des différents arrêtés, des différents règlements européens, du RGPD, etc. Cette connaissance, elle doit nécessairement donc passer par la lecture de ces textes de référence, donc ce que je viens de vous expliquer, puisque une simple connaissance par habitude pratique n'est pas suffisante et peut mener à des oublis ou une mauvaise compréhension. Parce que c'est vrai que on nous apprend, on nous forme sur les textes parfois, hein, mais parfois, au fur et à mesure de la pratique, on peut laisser passer des petites informations qui seraient
voilà, parce que voilà, on est humain et que ça peut arriver de laisser passer des informations. Et c'est pour ça que le fait de lire ces textes, ça permet de se rappeler, voilà, j'ai telle obligation dans le cadre de telle prestation, et donc ça nous permet d'éviter les oublis ou la mauvaise compréhension de certaines tâches à effectuer. La neuvième erreur, c'est celle de ne pas tenir compte des principes du RGPD, puisque le RGPD, il s'applique à toute entreprise dès lors qu'elle est située sur le territoire de l'Union européenne ou qu'elle traite les données des citoyens européens. Dès lors, l'ensemble de ces principes, il doit être pris en compte dans le cadre de la prestation de remboursement, en particulier, hein, mais en général dans le cadre de beaucoup plus de prestations. Donc, tous les principes de l'information, la base légale, la sécurité des données, le traitement des données, le type de données collectées, la mise en place du registre du traitement et de l'analyse d'impact, les clauses contractuelles type le cas échéant, etc. Vraiment tous les principes du RGPD, puisque voilà, c'est pas une, il n'y a aucune prestation hein, qui peut déroger au principe du au principe oui, du RGPD. Donc voilà, c'est des principes auxquels il faut faire attention également pendant la prestation de remboursement. Et enfin, la dernière erreur, c'est ne pas transmettre le formulaire de remboursement au comité de protection des personnes. Donc, il ne s'agit pas d'une obligation à proprement parler, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun texte qui dit, ou aucun arrêté qui dit, que la soumission au comité de protection des personnes doit inclure le formulaire de remboursement. En revanche, il est vivement conseillé de le transmettre, ce formulaire, au CPP au moment donc de la soumission ou tout autre support qui permet de recueillir les informations du patient hein, si vous n'utilisez pas de formulaire. Ce faisant, le CPP pourra apprécier le respect de la réglementation applicable et une sécurité supplémentaire sera ajoutée à l'exécution de la prestation. Donc ça permet vraiment d'avoir une double sécurité sur la prestation et de se dire voilà, j'ai eu l'occasion de soumettre mon formulaire ou tout autre document par lequel on recueille les informations pour la prestation de remboursement au CPP qu'il a validé dans le cadre de ma soumission. Donc voilà, c'est ma prestation est encadrée. Ensuite, donc on passe à notre dernière partie, une petite conclusion. Donc on va revoir tous les principes. Donc à éviter d'abord, donc la même personne traite à la fois le remboursement et la gestion de la même étude. Donc, à privilégier ici, deux entités distinctes sont en charge de ces missions. Voilà. C'est mieux, comme on l'a dit tout à l'heure, de séparer les deux activités, donc à la fois la gestion de l'étude clinique et le remboursement, pour éviter des confusions au niveau des données. La deuxième erreur à éviter, c'est le prestataire qui s'occupe du remboursement n'est pas habilité à le faire. Il faut donc privilégier, le fait que le prestataire choisi soit parfaitement au courant des règles applicables à la prestation. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire attention. La troisième erreur à éviter, c'est d'effectuer le remboursement forfaitaire. Il vaut mieux privilégier le remboursement au réel. La quatrième erreur, c'est de ne pas récupérer les justificatifs, donc les factures, lors de la prestation de remboursement. Il faut privilégier donc le fait de recueillir l'ensemble des justificatifs pour vérifier la véracité des frais engagés. Ensuite, la cinquième erreur à éviter, c'est de conserver les données de manière illimitée. Il faut donc privilégier le fait de définir en interne une durée de conservation des documents. Ensuite, il faut éviter de récupérer des données sur l'état de santé du patient et donc, à l'inverse, tout simplement, ne pas du tout récupérer de données sur son état de santé. Il faut ne éviter, enfin, vraiment pour le coup, ne pas du tout transférer de données identifiantes du patient au promoteur. Donc, à privilégier, aucune donnée identifiante du patient n'est transférée au promoteur. Il faut éviter de passer à côté de la lecture des textes applicables et plutôt lire l'ensemble de la réglementation applicable, la comprendre et la respecter. Et ça concerne donc tous les acteurs du remboursement. De manière plus générale, hein, ça concerne tous les professionnels de la recherche clinique, mais d'autant plus dans cette prestation.
La neuvième erreur, c'est d'ignorer le RGPD. Il faut plutôt le prendre en compte dans la mise en place de la prestation, puisqu'il fait partie intégrante de la prestation. Et enfin, la dernière erreur à éviter, c'est de ne pas transmettre, pardon, le formulaire de recueil des données dans le cadre de la prestation de remboursement au CPP. Et il faut plutôt le transmettre afin que le CPP puisse le valider et confirmer ainsi la bonne exécution du remboursement. Les références, donc petite conclusion sur les textes, donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est l'article 16-6 du Code civil, l'article L1121-11 du Code de la santé publique, les paragraphes 5.8.3 des bonnes pratiques cliniques, que ce soit les françaises ou les bonnes pratiques cliniques de l'ICH. Et enfin, les paragraphes 2.3.2 des méthodologies de référence. Voilà, donc c'est fini pour ce remboursement, pour ce webinaire sur le remboursement des frais aux patients. Donc, je vous présente nos prestations. Donc, nous avons un service en interne de remboursement des frais patients. Nous prenons en charge l'organisation et le remboursement des frais patients liés aux déplacements, notamment dans le cadre de leur participation à votre essai. Donc, cela comprend la mise en place de la procédure et des fiches de remboursement, la gestion administrative et le reporting mensuel. Donc, vous pouvez nous contacter pour un devis sur contact@pharmaspecifique.fr ou au 09 87 04 64 92. Nous avons également une veille juridique, donc pour rester informé des modifications législatives et réglementaires dans les domaines de la recherche clinique et de la protection des données. Nous avons mis en place une veille juridique axée autour de 4 points. Donc d'abord, la recherche impliquant la personne humaine, les dispositifs médicaux, la transparence et la protection des données. Donc, au niveau des tarifs, donc pour les particuliers indépendants, c'est 30 euros toutes taxes comprises par mois. Et pour une équipe, on fait des devis. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez nous envoyer un mail sur l'adresse contact@pharmaspecifique.fr. Et si vous êtes particulier ou indépendant, je vous invite à réserver directement sur le site pharmaspecifictraining.com. Enfin, on a le conseil juridique. Donc, vous pouvez me poser une question d'ordre juridique concernant la protection des données ou la recherche clinique. Et vous obtiendrez un contact téléphonique et une note de synthèse en PDF qui répondra à votre question. Donc, si vous avez une question à me poser, vous pouvez réserver sur pharmaspecifictraining.com. Et enfin, on a un service de DPO, délégué à la protection des données, puisque nous savons que toutes les obligations qui découlent du RGPD sont floues et chronophages. Et qu'il est possible que vous ne saviez pas par où commencer ni comment répondre aux questions de vos clients. Donc, si vous avez besoin d'aide sur votre conformité au RGPD, vous pouvez nous contacter pour un devis sur contact@pharmaspecifique.fr toujours. Je vous remercie pour votre attention. Vous pouvez nous poser des questions et nous y répondrons en vidéo. Je vous souhaite une bonne journée.